pendant la bataille. Ouais. Tu peux réussir en moins de 6 minutes, c'est déjà bien. Je pense qu'il y a un moyen de, mais c'est pas évident. Allez, c'est parti. Il allait donc devoir les reprendre par la force. Les Normands prirent la ville de Middletorpe, établissant ainsi leur présence au nord. Les villageois, ils vont à quelle vitesse? Avec l'arrivée proche des renforts de son armée, Guillaume aurait besoin de plus de ressources. Ah donc ils sont quand même vachement, ils vont quand même plus loin. Une autre ville rebelle, Fulford, s'opposait au règne de Guillaume. Il faut absolument récupérer cette ville. Si je récupère pas la ville, si je récupère pas la ville, c'est la merde. Parce qu'en fait, on attend des renforts quand on récupère la ville. Le seul truc qu'il faut faire entre guillemets attention, c'est de pas s'attarder sur les tours. Ils ont quand même une bonne portée les villageois. Hein. Une fois les rebelles de Fulford éliminés, York était plus proche que jamais pour Guillaume. Conscient qu'il rencontrerait une forte résistance en ville, Guillaume se prépara à renforcer sa cavalerie. Alors là, maintenant, je veux le marché qui est ici. Wow, on peut tester ça tranquillement. L'objectif final de Guillaume était désormais à portée de main. Il ne lui restait plus qu'à franchir les murs d'York et à détruire son donjon. Barat Somes!
Mettez-moi les portes là. Anderson, chevalier. L'armée normande déferla sur York et mit la ville à sac alors qu'elle s'avançait vers le donjon. Ils sont là, c'est bon, on pourrait y aller. L'armée normande fut attaquée par un nouvel ennemi, les Danois. Allez, tout le monde au château. Voilà. Je pense qu'en moins de 6 minutes ça peut se faire, mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout même. Voilà, c'est comme ça, je pense que c'est un des meilleurs tries. Alors, en tout cas, c'est mon meilleur try. Impeccable.